This goes out to the women I slay, I slay. Like I sent, they got paid, I pay. Shout out to them long trips when you call, I come. Yeah, I come. Look, I told you you was different, something. En gros, ce que je pense que je vais faire, c'est que ici, là, sur ce mur, je vais mettre des planches et en fait, je vais mettre tout simplement donc, mes paires de baskets en bougie avec des vrais et des LED en dessous. Et je suis trop contente, du coup, à chaque fois qu'il y en aura une qui me plaît, eh ben, je vais pouvoir la commander hyper rapidement parce qu'il livre entre 40 et 72 heures. Donc, c'est super rapide et voilà. Du coup, je vais vous donner aussi un petit code promo qui est NAD10 qui vous fera économiser moins 10% et dès 50 euros d'achat, vous avez la livraison qui est offerte. Donc, voilà, et j'adore le concept, il y a de tous les choix. Vous pouvez également choisir toutes les tailles, évidemment, pour chez vous, pour offrir, etc. Je trouve ça hyper cute, j'aime beaucoup. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que vous allez faire de votre journée? Moi aujourd'hui, je vais changer mes gouttières. D'ailleurs, je voulais vous en parler absolument, parce que je sais que ça peut être quelque chose qui complaise beaucoup, beaucoup d'entre vous. Parce que moi, c'est déjà quelque chose qui me complexe pour des broutilles. Donc, parlons dentition. Concise, courte et rapide. En gros, il y a 2 ans à peu près de ça, j'avais commencé à faire un traitement Invisalign à cause de mes dents. Voilà, de travers en bas et en haut parce que je voulais avoir vraiment un arc que je n'avais pas. Sauf que je n'étais pas forcément logée à la meilleure enseigne. En tout cas, c'était un peu loin de chez moi et un peu compliqué. Du coup, j'ai abandonné l'idée jusqu'au moment où, en étant sur Instagram, j'ai trouvé Bloom Square, qui est un cabinet d'orthodontiste et de dents incroyable. Vraiment, qui sont pour moi les numéro 1. Et d'ailleurs, c'est pas pour moi, c'est pour ça que je les ai choisis. C'est les numéro 1 pour Invisalign. Invisalign, c'est quoi? C'est des gouttières que tu mets complètement transparente, voilà, que tu retires juste pour manger, donc tu dois les garder toute la journée et qui vont tout simplement remettre tes dents parfaitement en place. Donc tu as plusieurs traitements, tu as même Invisalign blanchiment, donc tu peux blanchir tes dents et les remettre droites. Je vous montre comment ça se passe. Donc là, j'ai des gouttières. Déjà, vous pouvez voir que c'est vraiment transparent, les gars. On voit rien. Alors, pour les retirer, c'est vraiment très facile, mais il faut toujours les faire de la bonne manière. Ok. Et pour l'instant, on n'a pas des taquets posés sur les côtés. Uh-huh. Mais quand on aura les taquets sur les côtés, il faut éviter de tirer de la gouttière d'ici. Ah, donc, chose que je fais tout le temps, en plus. Voilà. Donc, il faut prendre les bonnes habitudes dès les débuts. Ok. Vous êtes très, très grand. On va tirer du côté du palais, donc côté gauche, côté droit. Ah, ah ouais. Et ça s'enlève très facilement. C'est plus facile en plus. C'est ça. Parce qu'il n'y a pas de résistance à l'intérieur, parce que les taquets seront posés juste au fond. Ok. Ouvrez très grand. Pour la remettre, très simple. Donc, comme on a dit, on appuie sur les dents de devant. On vient sur les dents du fond. Et tout est en place. On fait pareil pour le bas. Très bien. Donc, en bas, pareil. On évite de tirer du côté extérieur. Donc, on vient comme ça. Comme ça. Hop. Et c'est vraiment très facile à faire. Un total de 14 gouttières initiales. Okay. Là, si vous voyez une différence entre le haut et le bas. Là, on a 9 gouttières actives pour le haut, okay, et 14 gouttières actives pour le bas. Donc, j'aurais terminé le haut avant. C'est ça. Mais normalement, on gardera les gouttières passives pour maintenir et éviter que les dents bougent le temps, okay, qu'on colle en tension. Okay. C'est logique d'avoir plus de gouttières en bas qu'en haut parce qu'en bas, on a plus de travail à faire, ouais, que le haut. En haut, les dents du haut sont plutôt alignées. On a des petites rotations à corriger, ouais, et des petites positions. Alors là, les gars, c'est mes dents actuelles. Je sais que là, pour vous, ça vous choque pas, mais 2 secondes. Est-ce que vous pouvez vous, oui, rendre compte déjà que ça, donc ça, c'est le milieu de mes dents, que c'est pas du tout au milieu de rien du tout. Donc déjà, c'est sûr qu'il y a un décalage ici. Et là, enfin, on va corriger les milieux. Et là, on s'est rencentré. Donc avant, après. Wow. Si on met juste une vue des dents du bas, ça, wow, c'est après, avant. Et pareil sur une vue comme celle-là. Regarde. Et tout ça sans douleur. Sur les... Donc voilà, je suis hyper hyper contente de ce traitement. Vraiment. En plus, c'est pas du tout douloureux. Pas le moins du monde, c'est pas contraignant. Faut juste les retirer pour manger, sinon je les sens pas. À part les premiers moments où tu changes tes gouttières, tu zozotes un peu. C'est normal.
mais sinon je les sens absolument pas, ça me dérange pas du tout. Et sinon je vous laisse aussi vous me poser vos questions pour que je puisse tout à l'heure par exemple les poser à l'orthodontiste, ou si vous avez d'autres questions même personnelles que moi je peux répondre en vue de mon expérience, allez-y, c'est la foire aux questions dentaires.